Quinn, Jack. Votre dernière mission sera classée code rouge. À 15h05, un camion contenant 32 kilos de plutonium-35 a été volé dans une installation nucléaire haute sécurité américaine près de la frontière croate. Tout porte à croire que Stavros et son organisation l'auront vendu à l'Irak dans les 24 heures. Votre objectif est de vous assurer que le plutonium revienne à notre base, en toute sécurité. Poussez-vous ! Il y a un appel pour vous, c'est urgent ! Il a pénétré ! Le satellite confirme que le camion est en mouvement. Eh bien, ça va être serré, cette histoire. Il a 14 heures pour arriver à la frontière. S'il veut vraiment sa retraite, faudra déjà qu'il survive. Catherine! Il y a ta vache, enfin ton machin qui est dans mes pattes. C'est pas une vache, mon chéri, c'est un cygne. Ouais, bah en attendant, c'est dans mes pattes. Dans tes pattes? Oh! Ton cygne est magnifique. Tu es magnifique. Plus pour longtemps. Tu seras toujours sexy. Un peu plus ronde, un peu plus douce. Jack, le bébé, t'en as toujours envie. Bien sûr. Hello, Jack. La porte d'entrée, tu connais pas? Il y a une porte à l'arrière aussi. Tu es bien placé pour le savoir. Tu m'as retrouvé comment? Mais on t'avait pas perdu, mon gars. Tu dois savoir que je suis à la retraite. C'est ça. Tu poses ton cul sur la plage face au coucher de soleil toute ta vie. T'es un chasseur, Jack, avoue-le. Et la chasse, elle te manque. T'es largué. Toi, tu fais de la politique. Moi, c'est personnel. Réveille-toi. La politique ramène du pognon. Du pognon et du pouvoir. La vie, c'est la politique. Personnel, je vous jure. Tu veux quelque chose de personnel? Stavros a remis ça.
et on a besoin de lui vivant. On veut tout le linge sale. Des noms, des clients, des filières, c'est en rayon. Tu l'as traqué pendant des années, tu sais mieux que personne comment il bouge, comment il travaille. Fais pas le camp, Jack. C'est ton dernier coup. Tu as un commando Delta en stand-by opérationnel à Anvers. Dis-toi bien que t'auras pas de retraite avant que Stavros ne prenne la sienne. Vous l'avez persuadé, oui ou non? J'en sais rien. Il est peut-être vraiment à la retraite. Dans ce cas, on passera au plan B. Avance ton siège. On est un peu à l'étroit à l'arrière. Comme le parapluie que vous avez dans le cul à la CIA. Tu démantèles 2-3 cartels de drogue dans le tiers-monde. Tu témoignes devant le Congrès. On bombarde directeur adjoint de la CIA. Venons-en en fait. Tout ça pour dire que t'es rien qu'un sous-fifre. T'as réussi qu'une seule chose. T'as ramené Quinn dans le grand jeu. Alors va y avoir du sport. Mange-toi ici. À propos, je t'ai laissé un cadeau. Ah. Laissez-moi sortir! Ah ah que ce n'est pas dangereux. Et ne me dis pas que tu vas revenir dans 36 heures. Je voudrais voir Yaz. Oh, ça doit faire mal, ça. Ça, ça a fait mal. Et cela aussi. Mais mon préféré, c'est quand même celui-là. Alors, t'es qui? Je suis ton homme. Toi? Tu ne vas pas juger un homme sur ses apparences. Parce que j'aime pas ça. Dis-moi, t'es coiffé par qui? Hachi ou Zavata? Le dernier qui s'est foutu de mes cheveux, je lui ai carré la tête dans le cul jusqu'au poumon. Ta vie sexuelle, j'en ai rien à cirer. Bien, sur ces bonnes paroles, tu es qui, toi? Jack Quinn. Si tu veux danser, demande gentiment. Simple vérification, monsieur Quinn. Merde, la légende en chair et en os? Je croyais que t'avais pris ta retraite, Jack. Wow. C'est le Noël des armuriers? C'est qui, ça? La mère Noël? J'ai pas la hotte, j'ai pas le traîneau, mais j'ai ce qu'il me faut comme lutin. Ah oui, tu fournis aussi les enfants passage? Les enfants passage, je fais plus. Il n'y a que les gentils pour moi. Alors dis-moi ce qu'il te faut. J'ai des trucs si récents que même moi je les connais pas. L'attaque assure la gloire. Mais la défense assure la victoire. J'accepte les dollars et les lingots. C'est la goupille, ça? Oui. Chaud devant! Et la maison n'accepte pas l'échec. Et j'ai un principe. Les casseurs sont les payeurs. Pigé?
Monsieur, voici Delta 1. Vous ne l'avez jamais vu. Voilà Monsieur Yamir. Il a obtenu des informations comme quoi Stavros refera surface demain après-midi. À peu près ici. Un parc d'attractions. Qui est mon exécuteur? Ça sera moi. Vous savez l'utiliser? On l'a modifié, il tire des fléchettes tranquillisantes. Est-ce que vous pouvez toucher une cible à 200 mètres? Avec cet engin, je peux couper la bite d'une mouche. C'est un serpent, ce gars-là. Vous le regardez dans les yeux, il vous frappe par derrière. Une fois qu'on l'a identifié, vous prenez vos positions. On n'aura qu'une occasion. Deux fléchettes peuvent tuer un homme. Trois fléchettes peuvent tuer un rhinocéros. Et nous, on le veut vivant. Quelque chose se prépare. Bravo 1, on a repéré Stavros. Parking nord, Mercedes grise. Trois hommes en mouvement. Le conducteur reste dans la voiture. Laissez entrer, Bravo. Delta 2 et 5, vous allez au point K. Les autres en attente. Affirmative, Delta 1. Quand même, avec le temps qu'il fait, je vais changer toujours. C'est trop facile. Je l'ai dans mon viseur. Pas d'obstacle. Prêt à tirer. C'était pas lui. Stavros, c'est gaucher. Celui-ci est droitier. J'aime. C'était pas lui. Le chauffeur. Il faut trouver le chauffeur. Tout le monde en bas. Bouclez les sorties. Je le tiens. Affirmatif. Près du tigre. Qui est la fille? Elle cache quelque chose. Peut-être une bombe. Oh mon Dieu. Cible ajustée, Delta 1. Delta 2 et 5 en position, chef. On est prêt à se le faire. Delta 1. Vous attendez quoi, Delta 1? On est prêt à intervenir. Delta 1, j'attends votre ordre. La cible est démarquée. Vous attendez quoi? Thank you.
mère m'a dit que... ce qu'il aimait par-dessus tout au monde, c'était se promener sur son petit poney le week-end. Il adorait monter son petit cheval. Ce cheval regrettera mon petit garçon. Je suis un professionnel, Monsieur Quinn. J'ai tué, oui. Beaucoup. La plupart des salopards que j'ai pu abattre, ils méritaient pas de vivre. Mon petit garçon, il n'avait que 6 ans, Monsieur Quinn. C'était mon petit garçon, et il avait 6 ans. Maintenant, c'est une affaire personnelle. Candidat à la résidence au sanctuaire colonie, Quinn, Jack Paul, né en 1959, engagé dans la Légion étrangère à l'âge de 22 ans, domaine d'expertise, démolition, chasse à l'homme, guerre psychologique. Spécialisation, antiterrorisme. Dernière mission, capture Stavros. Document vidéo, H19. Interception d'Anvers. L'agent Quinn avait une occasion d'intercepter la cible Alpha. Mais la cible Alpha s'est échappée. Vous vous êtes dégonflé. Les agents dégonflés représentent un danger. Mais eu égard à vos capacités, vous serez assigné au sanctuaire. Non ! Si vous refusez de coopérer, Monsieur Quinn, une alternative existe. Le gaz neurotoxique est indolore, mais efficace. Mais à quoi bon ? Vous êtes déjà mort. Du moins, c'est ce qu'on a communiqué à votre femme et au reste du monde. Si vous voulez vivre... posez l'empreinte de votre pouce sur le scanner à droite du moniteur. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Identité confirmée. Merci, Monsieur Quinn. Alors... Jack, je suis ravi que vous vous joigniez à nous. Alex Goldsmith. Monsieur Dollar, vous avez été tué il y a 6 ans. Oh mon Dieu, ça fait déjà tout ce temps. Enfin. Je vous dépose. Nos amis vous attendent. Gracias, señor. Messieurs, approchez. Que je vous présente le célèbre Jack Quick. Content de vous voir vivant. Ah, c'est bien. Quelle scène délicate.
Moshe Levant, exécuté au Liban. Beyrouth, précisément. Tout ce petit monde. Tous des agents. Ou ex-agents. Ou d'anciens ennemis. Nous sommes trop précieux pour être tués. Trop dangereux pour être libérés. Bienvenue au sanctuaire. Queen. Stahl. Oui, je sais. Toute violence sera sanctionnée. Je croyais l'avoir tué à Tuzla. Eh bien, manifestement pas. Il m'est tout à fait antipathique. Jack, vous devez porter ceci à tout moment. Un dispositif tout simple, mi-beeper, mi-chronomètre. Il vous indique où vous devez être et pour combien de temps. Quand vous entendez le signal, vous devez y répondre. Nous sommes un centre de recherche. Nous sommes en liaison avec toutes les bases de données policières du monde. Nous analysons les incidents terroristes et fournissons nos recommandations au gouvernement qui nous paie. Nous sommes la dernière ligne de défense contre le terrorisme organisé. Et le monde ignore jusqu'à notre existence. Bien. Qu'y a-t-il au menu aujourd'hui ? Ah, vous avez là à l'écran les débris du vol Global Air 747 qui assurait la liaison San Francisco-Séoul. Notre échantillonneur d'images analyse les signaux en provenance du site. Mettez le casque et gardez la main sur le scanner à tout moment. Votre attention, s'il vous plaît. Un téléchargement de Washington. J'ai un communiqué du ministre des Affaires étrangères au sujet du drame Global Air. Je ne répondrai pas aux questions. Sur les 176 passagers à bord de l'avion, il n'y a aucun survivant. La CIA attribue la catastrophe de ce matin à un acte de terrorisme gratuit de la part de la Corée du Nord. Cette analyse est partagée par le ministre qui définira l'attitude des États-Unis lors de sa conférence de presse. Les Coréens ont nié toute responsabilité, mais le président américain consulte ses alliés. Jack, votre utilité dépend de votre capacité à interpréter et à analyser les informations que nous recevons en période de crise. C'est la seule raison qui justifie notre existence. Merci, Jack. Une défaillance technique conduite à l'explosion. L'avion s'écrase. Très vite. On a isolé une transmission de l'enregistrement de la boîte noire du Global 747. PC Pacifique, on a un appareil non prévu dans le couloir 329. Eh bien, troublante perspective. Une technologie pareille aux mains des Coréens. Avons-nous une théorie alternative ? Je vous écoute. Non, ça peut pas être ça. Des analyses ont corroboré ce rapport. Moshe, vous êtes sceptique ? Je ne répondrai pas aux questions. J'ai un doute. Il ment. Il dissimule des informations. Les Américains savent quelque chose qu'ils ont intérêt à étouffer. Réexaminons l'image satellite. Stop, voyons ça. Qu'est-ce que c'est ? Regardez, il y a une ombre. Bongo ! Un chasseur AWACS. Non, un renifleur F4. Refaites une simulation en incluant ce nouveau facteur. S'il l'essayait d'assez près, il devait se croire à l'abri des radars. L'armée coréenne détecte le F4 au radar. Mais elle abat l'avion de ligne. Les Américains se sont servis du Jumbo comme couverture pour une reconnaissance stratégique. L'avion a été piégé pour que les Américains puissent espionner des tests d'armement coréens. Très inspiré. Joli coup, Jack. Des lasers sous-marins. Des lasers ? À partir d'un mètre de profondeur, les faisceaux lasers détruisent tout ce qui passe à leur portée. Et si les lasers ne vous tuent pas, ce sera le ressac. Tout est prévu, Jack.
Personne ne s'est jamais échappé. Jamais. Jamais. Le dernier à faire une tentative s'appelait Bryce. C'était avant l'installation des lasers. Le pauvre garçon n'a pas survécu 48 heures. Son gardien s'en est occupé. Chaque pensionnaire a son gardien. On ne sait pas qui il est. C'est à lui qu'il incombe de surveiller votre mentalité, votre productivité, votre attitude, ce genre de choses. Si un pensionnaire s'évade, on envoie son gardien l'éliminer. Comment vous avez pu rester caché si longtemps? Brouillage visuel, nous sommes virtuellement invisibles. D'avion par coursier demain matin. Vous avez 5 minutes pour vous enregistrer dans vos bungalows respectifs. Merci, Monsieur Quinn. Veuillez maintenir le digicontact jusqu'à votre signal. Signora, 14.000 lire, per favore. Grazie. Bonjour, Maria Trifioli. On s'est parlé au téléphone hier soir. Je suis ravie que vous ayez accepté notre proposition. Je suis très flattée, mais c'est très généreux. Mais pour tout vous dire, ça risque d'être difficile. Comment? Vous hésitez à exposer ici? On vous a fait d'autres offres? Vous savez, mon mari n'est décédé que depuis quelques mois. Oui, je sais, ce doit être difficile. Mais peut-être cette exposition vous permettra de tourner la page. Non, non, le problème, c'est le déménagement. Je devrais vendre ma villa et Rome est une ville très chère. Vous pouvez rester avec nous au Regina. Il y a toute la place. Et je vais m'assurer que vous et votre enfant aurez tout ce qu'il y a de meilleur en matière de soins. Ce soir, vous allez rencontrer le propriétaire. Je sais qu'il est impatient de vous connaître. Vous allez voir, tout va bien se passer. Thank you.
tous les signes distinctifs de la méthode Stavros. Cela confirme les rapports que nous avons reçus sur ses activités actuelles. Ce qu'il faut savoir, c'est qui paye pour ses talents. Vu la situation, nous attendons votre analyse impatiemment. Ce qui est inhabituel, c'est l'absence de revendications. L'attentat a eu lieu à Barcelone. Il y a le GIA qui fait parler de lui dans ce coin-là. Il n'a pas les ressources pour s'offrir Stavros. C'est peut-être une vengeance personnelle. Après tout, il pourrait opérer pour son compte. Ça lui ressemble pas. Pourquoi il ferait ça? Et si c'était un autre? Un psychopathe isolé. Il y a pas mal de factions actives en Espagne. Je tiens ton papillon. Votre analyse, Jack? Jack? Non. Quoi, non? Nous attendons votre commentaire. Cette fois, ce n'est pas Stavros. C'est un imitateur. Moi aussi, j'ai eu ma chance d'avoir Stavros. Et moi aussi, j'ai échoué. Stavros, c'est un peu ma dernière dette. Lui, il court le monde et moi, je suis coincé sur ce caillou. Vous êtes notre seul et unique espoir. Le seul joueur avec suffisamment de ressources pour avoir une chance contre lui. Il connaît cet endroit ou pas? Nous l'ignorons. C'est pour ça qu'il est dangereux. Tous les services du monde ont utilisé Stavros pour son goût, pour le travail à haut risque. Ironique, n'est-ce pas? Quand il était notre allié, on le jugeait héroïque. Il a changé de bureau, c'est une canaille. Il n'y a pas de mystère. Il n'est plus au goût du jour. Je suis navré, mais nous avons dû nous séparer de votre signe. J'ai pris l'initiative de doubler votre prix. Mon mari adorait ce signe. Il disait que c'était une vache. Ah!
Vous avez 5 minutes pour vous enregistrer dans vos pavillons, messieurs. Mesdames et messieurs, attachez vos ceintures, nous allons atterrir. Qui est son gardien ?
qu'est-ce que tu fous là, toi? On t'avait pas fait disparaître? J'ai besoin de jouer. Désolé, c'est fermé pour la nuit. Maintenant, c'est ouvert. On va discuter. Je veux des jouets bien méchants. J'ai reçu un truc qui risque de te plaire. Tu vas être la terreur du quartier, c'est garanti. Mate un peu ça. Visée laser. Tout automatique. Il va te falloir un étui. Tiens, ça c'est chouette. Tu sais piloter un avion? Comme un aigle. Mais pour l'instant, je garde mon cul au sol. Tiens, j'ai une grosse promo sur les gaz lacrymogènes. Tu paies en liquide? Tu vas me faire crédit. Après acceptation du dossier, je te tiendrai au courant. Je paie mes dettes et tu le sais bien. Désolé, mon frère, t'es hors circuit. Et je fais pas crédit au cadavre. J'ai 3 comptes à la CIA et je peux te donner les numéros. Quand j'aurai la marchandise, tu auras les codes d'accès. Je sais pas trop. Quand je te regarde, je vois rien que des problèmes. Et puis merde. J'adore les problèmes. Comment ça, c'est pas un parachute? Ma création vaut 100 fois mieux qu'un parachute. Et il marche ton truc? T'en es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Vraiment sûr? Sûr et certain. Ouais. Pas une miette de doute. Ah non! Non! Et si tu meurs, t'es remboursé à 100%. Fais-moi confiance. Bonne chance! Merci! Ah! Enfoiré! Donne-moi la main! Mon pied au cul, oui! C'est tout ce que t'as à me dire? On va essayer autre chose! Eh, hey, viens, mon amour! Attention, tes doigts! Il n'y a plus qu'à trouver le panier! Ça va pas, tu te sens plus pissé? T'es un taré grave! T'es plus barjot que mon coiffeur! C'est moi le barjot? Tu l'as testé ton truc? J'ai pas à le tester, c'est moi qui l'ai fait! Je te retrouve à ton armurerie, et je penserai peut-être à tes codes d'accès. Comment ça, tu penseras peut-être? Fais-moi confiance! Fais-moi pas chier! J'arrive tout de suite. Un instant. Thank you.
content de voir que tu sais encore jouer. Tu devrais descendre à l'hôtel Navone, à Rome. Ton enfant doit naître demain. C'est le battement de son cœur. Ne sois pas en retard. Au fait, je ne prendrai pas cette voiture à ta place. Tiens pas la route. Content de voir que tu sais encore jouer. Tu devrais descendre à l'hôtel Navone, à Rome. Ton enfant doit naître demain. C'est le battement de son cœur. Ne sois pas en retard. Au fait, je ne prendrai pas cette voiture à ta place. Tiens pas. Attention, raye pas la peinture. Content de voir que tu sais encore jouer. Tu devrais descendre à l'hôtel. Merci. Navone, y a pas de quoi. Je protège mon investissement. Doit naître demain. Ça devient trop risqué pour moi. Tu vas me donner ces putains de numéros tout de suite. Cette voiture est piégée. Pas cette voiture à ta place. J'ai besoin d'un véhicule. Je vais à Rome. Content. T'as besoin d'un véhicule? J'ai des contacts dans la région. Maintiens la ligne et fais-t'y tendre. Je te l'ai dit, tout ce qui roule, je peux le piquer. Et t'as rien trouvé de plus grand? Je pensais que tu voulais passer inaperçu. Ah, ça explique tes vêtements? Bah quoi, mes vêtements? Tu ressembles à une carotte avec des boucles d'oreilles. Putain, ces vélos, allez, foutez-moi de camp, hey, prenez toute la place. Les ai localisés. Ils prennent l'autoroute de Rome. Ça cadre avec nos informations. D'après le rapport, sa femme est à l'hôtel Regina. C'est parfait. Nous avons relancé la partie. Moi, tu sais que y'en aime que toi. Ah, tu dis ça à toutes les romaines. Oui, mais c'est toi la plus belle. Enfin, tu vois. Ma danse, danse avec moi. Ma che cosa fai con la macchina là, Enzo? On est l'entrée de service, toujours. Des messages pour Jack Quinn? Si, signore, voilà. Merci. Oui, oui, vous vous présentez à l'entrée de service. J'envoie quelqu'un vous ouvrir. Si. T'avais une enveloppe à la réception. En tout cas, c'est pas une bombe. C'est peut-être des codes d'accès. J'aimerais bien qu'on me paye. Ces comptes bancaires sont des couvertures. Ils sont vides. Plus rien ne m'étonne. Pourquoi tu me fais marcher? Y a pas de sanctuaire, c'est des conneries tout ça. Ça n'a rien à voir avec le sanctuaire. C'est quoi ce truc? C'est une échographie de mon fils. Mon fils est aux mains de Stavros. Retourne à Anvers. Tu seras payé. Je paie mes dettes. Quinn, garde ton argent. Pourquoi tu me l'as pas dit avant? Qu'est-ce que ça peut te faire? Un joueur comme toi, ça reste en défense. J'ai trop poireauté sur le banc de touche. La meilleure défense, c'est l'attaque en force. C'est pas vrai? C'est vrai. Stavros tient la partie. Si on joue son jeu, ma femme et mon fils seront exécutés. Quoi? Tu lui envoies un courrier électronique? Ça sera intercepté par tous les services d'Europe. C'est quoi ton plan? J'en ai pas. Mais Stavros, il en sait rien. Il va anticiper ce qu'il croit que je ferai. Il faudra jeter un coup d'œil. Il sera obligé de sortir. Et il nous mènera tout droit à Catherine. Attention les fantômes, Stavros fête Halloween à midi. Hôtel Navona. Stavros, tu as vu ça? Ah, ce gars-là, c'est ce qu'il fait. Et il a de la sensibilité. Qui sait ce qui aurait pu se passer si... Enfin, c'est trop tard. Je vous emmène à l'hôpital, c'est plus prudent. Je vois pas, ils sont disposés vers le centre. Tenez, chef, ça vaut le coup d'œil. Le périmètre est bouclé, je répète, le périmètre est bouclé. Il manque personne, c'est un vrai cirque. Voilà le Mossad. Les flics du coin ne sont pas en reste. R.A.S. Il y a
a même les carabiniers. J'ai pas la liaison. Manque plus que la Légion. Non, les deux piétons sont des piétons. Oh, pardon, monsieur, je vous demande. Restez pas dans mes pattes. Dis donc, on dirait que ton plan a foiré. Patience, il viendra. Si tu veux de l'aide, on peut voir mon frère. Quoi ? T'as un frère, toi ? J'en ai même plusieurs à la chapelle Saint-Clément. Queen, arrête, il attend ça. Tu veux savoir, Jack? Je tiens toujours mes promesses. Toujours. Du coup, je peux te donner ma parole d'honneur que tu auras une invitation au baptême du petit. Oublie pas de te mettre en noir. Laisse ma femme tranquille. Prends-moi. Moi, ce que j'en dis, c'est que vous m'appartenez tous les trois, si je veux. Chiaro. Ça y est, on a avancé, Queen. J'ai une trajectoire dégagée. Répétez. Veuillez répéter. Thelma ! Thelma ! Dans le jeu, salopard. T'es sûr? Ça vaut 5 points. Facile.
Hey ! Où est ma femme ? Je connais pas votre femme. Foutez-moi la paix. Chiamo la polizia. Faccio io. Rassurez-vous, Catherine, tout va bien se passer. Mais qui êtes-vous enfin ? Là. À tête. Plus vite. Hey, tutto pronto. Quando arriva ? Arriva adesso, su. Piano, piano, fate piano. Jack est en chemin. Tu t'occuperas de lui. Je veux qu'il sache même plus quelle journée. Buonasera, mon frère. Je dois parler à quelqu'un qui s'appelle... J'ai jamais vu des murs aussi épais. C'est quoi ça? Les ossements de mes frères. Vous êtes un ami de frère Yaz. Il a rendu de grands services à la confrérie, parmi lesquels un possesseur central qui dépasse l'entendement. Salut, mec! Salut, salut, mec! Voilà mon frère Régulo. Et mon frère Romulo. Voilà mon frère Quinn. Ces moines accumulent les informations sur Rome depuis 500 ans. Mais technologiquement, ils sont au 21e siècle. Des cybermoines. Cette souche d'ordonnance que t'as trouvée,
Ils ont lancé une recherche dessus. Voilà. Ma che cos'è questo? Che significa? Chi ce l'ha messo? Internet. 25 médecins ont prescrit le même médicament dans les dernières 72 heures. Ma che cosa succede? Un signal extérieur. Il est planté. Mais d'où ça provient? Ma impossible. Je peux. Nous recevons un message. Merci pour la bénédiction, Jack. Stop. Il doit être par ici. C'est des antiquités, c'est vachement précieux. Au sens spirituel. Nous sommes sous le fleuve Tibre. Le bras du tunnel va vous mener sous l'île du Tibre. C'est la seule façon de gagner l'hôpital sans passer par le pont. C'est sur le pont que Stavros disposera ses hommes. Bonne chance. Si, buona fortuna. Merci, mes frères. On se reverra sur Internet. J'attends vos messages. C'est rien. Pousse. Pousse. C'est ça. Continue. Pousse. Pousse. Merde, c'est coincé. J'ai peut-être quelque chose dans ma poche. Et t'as quoi dans ta poche? Qu'est-ce que c'est que ça? Ma pièce porte-bonheur et mon détonateur fétiche. Et mon plastique à quatre feuilles. Du Semtex? Gagné. C'est simple comme une pâte à modeler. Tout est dans la préparation. À chaque travail, son outil. Quand on a le bon outil, on est prêt à tout. Merde, j'ai pas assez de fil. Hein? Ah, t'es bien préparé, toi? Attends. On va trouver une pierre. Ah, ça t'ennuie pas, petite tête? C'est pour la bonne cause. Merci. Oh oh, zéro point. T'es rouillé, mon pote. Je manque d'entraînement, mais je rate jamais deux fois. Ah!
moi. C'est moi. C'est toi. C'est toi. Viens. Pour un hôpital, c'est plutôt calme. Hein? Tu t'en occupes? Ils sont ici, je les ai entendus. Vite! Marco, mais qu'est-ce que tu fous? Ils sont partis par où? Il est défendu de courir dans l'enceinte de l'hôpital. Silence! Je t'aide à descendre? Non, Jack, elle m'a sauvé la vie. Oh, elle était morte. C'est fini. C'est fini. Je suis là. Je suis là. Stavros. Où est-il? Où est notre fils? Où est mon fils? Je sais où ils sont. Va chercher ton fils. Je vais m'occuper d'elle. Merci. Toi, tu m'en dois une. Jette-moi ce flingue ou la petite fête est finie. Tu sais, Jack. Je peux t'appeler Jack, non? Je sais ce que tu fais la nuit, Jack. Tu fermes les yeux aussi fort que tu peux. Pour ne pas voir le visage de mon fils. Je vais te donner une chance de garder le tien. Si tu survis aujourd'hui, tu connaîtras ton fils. Si tu meurs, il deviendra le mien. Les hommes sont forts, Jack, mais le tigre est encore plus fort. Fais attention, tu marches. Poser son pied sur une mine, c'est pas si grave en soi. C'est l'enlever qui pose un problème. Viens. Allez, viens. Come on.
faites sans moi, d'accord? Je reviens me prendre. Mon bébé est à l'abri. Et si on foutait le camp avant que ça explose? Occupe-toi de mon fils. Je vais retrouver Stavros. Ton pied, monsieur Basketman, et cette mine fera de toi une petite flaque rouge. C'est toi qui as bonne mine maintenant, Stavros. J'ai oublié de t'en parler, ça t'ennuie pas, j'espère. Ah, je sais que tu t'es donné du mal à creuser tous ces trous, à planter toutes ces croix. Et puis les mines, ça coûte cher. Enfin, ça m'amusait de déplacer les croix. Désolé. Yas! Derrière toi! Oh non!
rester ici. Jack! Ces vacances romaines m'ont complètement réussi. Donnez-moi un souvenir. Une mèche de vos cheveux. Et votre jaquette. Tu vas aimer ça, Queen. Je vais lui donner un souvenir, moi aussi. Ma pièce va peut-être te porter bonheur cette fois. Si vous voulez une mèche de mes cheveux, vous allez devoir attendre longtemps, Monsieur Goldsmith. Quel magicien vous faites, Mr. Yaz? À mon tour de disparaître. Ciao, Belle. Ciao quoi? Vous allez voir qu'ils vont encore me mettre tout ça sur le dos. Pour l'amende, ça va être salé.